Bon, on va commencer donc, puisque, je précise quand même avant que le séminaire est enregistré, donc il sera disponible sur le site web du CRECIS au cours. Ça vous dérange pas que le séminaire soit enregistré? Alors donc, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de ce premier séminaire de l'année 2020 au CRECIS, dans l'axe 4, épistémologie critique en culture et communication. Alors en fait, cette année, c'est un peu particulier parce que je me suis rendu compte qu'on fêtait le 10e anniversaire de ces séminaires. La première séance, donc, est consacrée aux masculinités. Et à cette occasion, donc, nous sommes très heureux d'accueillir Meillon Agège et Stéphanie Boisvert, que je remercie vivement pour leur participation. Alors, notre première intervenante, Meillon Agège, est docteur en sociologie, diplômée de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, sociologue de la santé et chercheur à l'Université Paris-Est, au sein donc du service de santé publique du CHU Henri Mondor à Créteil. Ses travaux de recherche portent sur le genre et la santé des populations vulnérables, notamment sur la santé des masculinités, la santé des personnes détenues et sortant de prison qui vivent avec le VIH et l'hépatite C, les enjeux sanitaires des violences de genre à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, ainsi que sur les cancers chez les patients et patientes âgés, et les patients et patientes précaires ou éloignés du système de santé. Alors, on intervient plus spécifiquement ce matin sur le thème des études de genre et masculinité, à partir de la question suivante: comment expliquer les rapports entre le corps et le genre? Vous avez donc la parole, comme il est de tradition dans ce séminaire, pendant une quarantaine de minutes. Après quoi, en fait, ce sont deux étudiantes du programme de doctorat en communication, Sclarine Le Gallo et Lisiane Nomasi, qui sont à ma droite, qui lanceront le débat à partir de leurs commentaires et leurs questions. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier vivement de leur participation active. Je vous remercie à nouveau vivement pour la vôtre et donc vous donne la parole. Merci et je vous remercie de l'invitation. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est vous qui pilotez le PowerPoint ou est-ce que c'est nous ici? Oui, je veux bien. Si ça vous va, je ferai comme ça. Essayez de changer les pages pour voir si ça marche. Ouais, bon. Ça fonctionne? Allez-y, j'ai posé la question. Parce que là, ça ne bouge pas du tout. Hein. En fait, il faut... Il faudrait que vous arrêtiez le partage d'écran de votre côté. C'est le message que je reçois, moi, de mon côté. Je vais demander à Jimmy. Il faut que vous activiez la présentation de votre part et puis Jimmy Baudouin va venir ici désactiver ce que nous avons à l'écran. Donc allez-y, c'est bon, je pense ici. De mon côté, c'est bon. What up? Super. Merci Jimmy. Donc c'est à vous. Là ça va, vous voyez la diapositive? Oui. Ok. Parce que je me vois encore sur l'écran derrière vous. Ah ça va, c'est normal. D'accord. Ouais, mais changer de diapositive, pourquoi? Ouais, ben c'est bon, ça a changé. Ok. Bon alors bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation à venir intervenir parmi vous aujourd'hui. Moi j'ai fait mon bac de sciences à McGill, donc je suis toujours heureuse de revenir à Montréal même si c'est à distance.
Je me représente rapidement, donc je suis Myohi Najej, sociologue de la santé. Et effectivement, je travaille sur les expériences de la maladie et des soins de personnes dites vulnérables et les rapports sociaux de pouvoir qui produisent les inégalités de santé. Donc on va revenir aujourd'hui sur ces rapports sociaux de pouvoir. Dans la mesure où le genre, c'est une des dimensions sociales importantes qui détermine l'état de santé des individus. Mais aujourd'hui, je mettrai moins l'accent sur la santé que sur le genre et sur des exemples de travaux qui font appel à ces notions de genre et de masculinité. Alors, c'est plus précisément sur les travaux de la sociologue australienne Raewyn Connell sur les masculinités et sur la notion de genre que je vais revenir aujourd'hui à partir d'un travail que j'ai mené avec mon collègue Arthur Vatou. Qui est maître de conférence à l'Université Paris 13. Alors, je vais vous parler de masculinité et puis aborder les questions suivantes. Qu'est-ce que les masculinités? Pourquoi ce pluriel? Mais d'abord, qu'est-ce que le genre? Qu'est-ce que les études de genre ou les études féministes? Enfin, des exemples pour lancer la discussion. Alors, dans un premier temps, j'aborderai donc nos connaissances sur le genre d'un point de vue de sciences sociales, le genre et le corps, et puis j'insisterai sur les dimensions de la construction sociale du genre. Alors, comme je vous vois en très très petit sur mon écran, je vois pas vos visages, donc si je parle trop rapidement ou si il faut que je m'arrête pour expliquer quelque chose, n'hésitez pas à me le dire explicitement à voix haute, et soit je ralentis, soit j'explique, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, dans un deuxième temps, j'aborderai la notion de masculinité et certains travaux intéressants qui la mobilisent dans le champ de la santé, mais pas que. Et puis, comme pour certaines et certains d'entre vous, le genre n'est pas au cœur de votre formation, je m'appuierai sur les travaux de Connell et ouvrirai à d'autres travaux qu'en fin de séance. Et puis, dans un dernier temps, je vous propose d'échanger autour de la pertinence de cette notion pour vos études ou vos travaux, et peut-être votre pratique professionnelle future. Alors, avant ça, je vous propose de commencer par un petit quiz pour aborder la différence entre genre et sexe. Alors, selon vous, les affirmations suivantes traitent-elles de sexe ou de genre? Les hommes ne peuvent pas accoucher d'un enfant. Alors, les hommes ne peuvent pas accoucher d'un enfant. Est-ce qu'il s'agit plutôt de genre ou plutôt de sexe? Sexe. Ouais, ok. Les petites filles. C'est pas dur et c'est pas noté à la fin. Alors, les petites filles sont douces et les petits garçons sont turbulents. Genre. Ouais. Les femmes savent mieux s'occuper des enfants que les hommes. Genre. Les hommes ne peuvent pas contrôler leurs envies sexuelles tandis que les femmes le peuvent. Genre. Dans les usines, les gérants sont plus souvent des hommes. Oui, mais le fait, si on regarde factuellement, est-ce qu'il y a plus d'hommes qui occupent des postes de gestion, c'est vrai. Oui, mais c'est pas basé sur le genre. Alors, c'était le petit piège de la fin du quiz. Effectivement, on peut lire la phrase de deux façons. Les gérants sont des hommes. Là, il s'agit effectivement de sexe. Mais le fait que les gérants soient plus souvent des hommes, c'est effectivement une question d'inégalité femmes-hommes au travail et de genre, donc. Donc on voit bien, et puis je vois que vous maîtrisez quand même, on voit que le genre et le sexe, c'est bien deux choses différentes. Donc à partir du champ d'études consacré au genre, aux études féministes, regardons maintenant plus précisément ce qui fait du genre une construction sociale. Encore une fois, si vous connaissez ces notions, faites-moi signe et puis on peut aller un peu plus vite. Ou pas. Alors, les études de genre se sont développées autour de plusieurs axes, à partir tout de même d'un socle qui est la notion de construction sociale, c'est-à-dire que le genre est socialement construit, il n'est pas déterminé par le biologique, les comportements dits féminins ne sont pas le propre des femmes,
Là, on peut penser par exemple à l'attention à l'autre chez les maïeuticiens, les sages-femmes hommes. Ensuite, il n'y a pas de caractéristiques immuables qu'on peut attribuer aux femmes ou aux hommes en fonction de leur sexe. Il n'y a pas d'essence de la féminité. Ça, c'est l'approche anti-essentialiste. Là, on peut penser à ce qu'écrivait Simone de Beauvoir en 1949, « On ne naît pas femme, on le devient ». C'est-à-dire qu'on apprend tout au long de sa vie les comportements socialement attendus d'une femme. Ensuite, pour ce qui est de l'approche relationnelle, ce qui est attendu du masculin est construit en opposition au féminin et vice-versa. Donc dans cette approche, les femmes seraient sensibles, les hommes seraient rationnels. On a ces dichotomies qui opposent masculin-féminin et cette approche relationnelle dit que le genre se construit en relation entre deux pôles qui s'opposent, le masculin et le féminin. Donc le genre, c'est enfin aussi un système de pouvoir dans les études de genre. C'est un système de pouvoir, de processus sociaux qui sont pris dans des rapports sociaux de domination qui s'imbriquent pour construire ce qu'on appelle le genre. Donc dans ce cadre, les études, notamment féministes matérialistes, vont parler d'exploitation des femmes au travail, d'inégalité salariale, de travail domestique non payé. Enfin, le genre aujourd'hui se conçoit dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire une perspective qui prend en compte les discriminations liées au genre, mais aussi à la classe sociale, à l'âge, à la racialisation ou race chez les anglo-saxons. Donc parler de genre sous-entend souvent de parler des autres rapports sociaux et pas uniquement des rapports liés au sexe, mais aussi ceux liés à la classe, à la racialisation, etc. Est-ce que ça va ? Très bien. Ok. Alors, quels sont les rapports entre le corps et le genre ? Alors, on pense quasi systématiquement le genre comme émanant du corps, le genre comme inhérent au corps, expression du corps. Donc, quand on pense au corps qui dirige l'action, les hommes seraient naturellement plus agressifs. Le viol serait le résultat d'un désir sexuel incontrôlé. Donc, pour expliquer ce rapport entre le genre et le corps, trois idéologies ont dominé les sciences sociales pour l'expliquer. Il y a trois approches, je vais insister sur trois approches aujourd'hui, de ces rapports entre corps et genre. Je vais vous montrer qu'elles ont toutes leurs limites, et puis je vais me faire l'avocate de Rewin Connell et faire une proposition alternative, pour laquelle le genre est plutôt à concevoir comme une configuration de pratique socialement située. Alors, dans une première approche, le corps est conçu comme une machine naturelle qui produit la différence de genre. Dans ce champ d'études, c'est la sociobiologie qui tient une place importante et qui dit qu'à des différences de sexe correspondraient des différences de genre. Par programmation génétique, par différence hormonale ou par rôle des sexes dans la reproduction. On a des travaux, par exemple, qui montrent que les arrangements sociaux actuels seraient un effet du système endocrinien, que le patriarcat se fonderait, par exemple, sur un avantage d'agressivité hormonale en raison duquel les hommes l'emporteraient sur les femmes. Donc là, on pense notamment aux travaux de Steven Goldberg et son ouvrage « Why Men Rule, A Theory of Male Dominance ». De nombreuses recherches ont été menées sur cette question, et donc ce qui en ressort en termes d'intellect, de tempérament et d'autres traits personnels, c'est qu'il n'y a pas la moindre différence mesurable entre hommes et femmes. Quand on fait le constat d'une différence, elle est très mince par rapport aux variations au sein de chacune des deux catégories de sexe, c'est-à-dire entre hommes et entre femmes, et encore plus mince si on la met en perspective avec les positions sociales des hommes et des femmes, c'est-à-dire si on croise avec les classes sociales notamment. Donc la force de cette théorie, elle n'est pas dans ses preuves. Connell dirait qu'elle est indéfendable. Sa force, elle est plutôt dans le pouvoir de la métaphore du corps comme machine. Alors une deuxième approche qui est dominée en sciences sociales et qui vise à expliquer ce lien entre corps et genre, c'est la métaphore du corps comme paysage. Ici,
l'analyse sémiotique de genre est assez importante, où on conçoit le corps comme une surface neutre sur laquelle s'implante une symbolique sociale. On étudie plutôt les représentations du corps et la production de la féminité. Là, je pense par exemple à une étude qui montre comment les différents régimes d'exercice pour les hommes et pour les femmes, ou les pratiques disciplinaires par lesquelles un sport est enseigné et défini, vont être conçus pour produire des corps genrés. Donc ça, c'est le travail de Nancy Thieberg, Reflection on the Body in the Sociology of Sport. Les approches constructivistes du genre et de la sexualité qui s'appuient sur une approche sémiotique du genre, là, vous voyez, proposent une antithèse quasi complète à celle de la perspective sociobiologique. Ce ne sont plus là les arrangements sociaux qui sont les effets du corps-machine, mais plutôt le corps qui est un terrain de lutte pour les déterminations sociales. Alors, un des problèmes avec cette approche qui est centrée sur les représentations et les discours, c'est que finalement, le corps physique est assez peu étudié. Or, le corps, donc cette surface sur laquelle les significations sculpturelles sont inscrites, n'est ni neutre ni figé. Alors, enfin, la troisième approche que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est une approche selon laquelle la biologie et le social vont se combiner pour produire des comportements genrés, c'est-à-dire des différences de genre dans les comportements. Cette théorie, c'est une sorte de théorie de compromis entre la sociobiologie d'un côté et l'analyse sémiotique du genre de l'autre côté, où le social et le biologique ont tous deux une importance dans la conception du genre. Ici, on retrouve souvent des analyses en termes de théorie des rôles sexués, où la masculinité serait l'élaboration sociale de la fonction biologique de la paternité. Et la maternité serait l'élaboration sociale de la fonction biologique de la maternité et de la reproduction. Donc, une des limites de cette approche, je vais vite, mais je paraphrase Connell, si le déterminisme biologique est peu étayable et si le déterminisme social aussi, une combinaison de ces deux a peu de chances d'être viable et étayable. Et dans tous les cas, on ne retrouve aucune base scientifique solide pour étayer ces trois approches. Mais on ne peut pas pour autant ignorer que le genre est très clairement culturel et que le corps est très important. Le corps est incontournable dans la construction de la masculinité et de la féminité, mais ce qui est incontournable n'est pas pour autant figé. Et c'est bien là le problème de ces trois approches. Alors, ce que propose Raewyn Connell dans son ouvrage de 1995, Masculinities, c'est une autre piste. Pour lui, à cette époque, le genre n'est pas, il se fait, et c'est l'entrée par l'étude des pratiques. Donc, pour citer West et Zimmerman, gender is what we do. Et ce déplacement vers les pratiques fait qu'on peut considérer plutôt le genre comme une configuration de pratiques socialement située. Autrement dit, le genre se construit par un ensemble de choses que l'on fait, qui met en jeu le corps en situation et qui s'inscrit dans un jeu de relations sociales et de rapports sociaux. Donc, un des hommes qui est interviewé par Connell dans son ouvrage, Adam, raconte ses souvenirs de lancer des balles avec son père dans le jardin et il se rappelle de l'humiliation de son père qui lui disait qu'il lançait comme une fille. Et donc pour Adam, c'est dans la performance de lancer la balle et l'humiliation de son père que va se construire ce qu'est être un homme, un vrai, entre guillemets, pour Adam. Donc là, on voit bien l'importance du contexte, de la durée et de la relation. Est-ce que ça va toujours ? Oui. Alors, Connell propose ainsi de nommer les pratiques qui font le genre masculin
prises dans leur contexte en un seul mot, les masculinités. Alors, j'insiste, mais le contexte est essentiel. Les pratiques qui font, ces pratiques font le genre de manière différente selon la situation sociale, c'est-à-dire selon la classe sociale, l'appartenance ethnico-religieuse perçue, l'âge, etc. Et dans cet espace, Connell identifie des configurations de pratiques qui vont délimiter des formes de masculinité. Alors, je disais tout à l'heure que son ouvrage est paru en 95, a suscité beaucoup de travaux. Et si on prend en compte les travaux récents, il ne s'agit pas d'une typologie rigide où chacun entrerait dans une catégorie. Il s'agit plutôt de voir les individus comme pouvant évoluer d'une configuration à l'autre dans le temps ou même dans une même journée entre le travail et la famille, par exemple. J'y reviens tout à l'heure. Alors, la définition que donne Connell, c'est la masculinité. S'il était possible de définir brièvement ce terme, pourrait être simultanément comprise comme un lieu au sein des rapports de genre, un ensemble de pratiques par lesquelles des hommes et des femmes s'engagent en ce lieu, et les effets de ces pratiques sur l'expérience corporelle, la personnalité et la culture. Donc là, vous voyez que Connell pose d'emblée l'intérêt d'étudier les formes de masculinité. Donc c'est non pas d'élaborer une typologie et de classifier tous les hommes, mais plutôt, là, il s'agit d'étudier les pratiques qui font le genre, les rapports de genre parmi les individus et les rapports entre ces formes de masculinité. Et en poursuivant sur cette notion des rapports entre les formes de masculinité, elle identifie quatre formes de rapports qui sont situées au sein de l'ordre de genre. Alors, la première que vous connaissez certainement, il s'agit de l'hégémonie. Donc la masculinité hégémonique, là, on entend hégémonie au sens d'Antonio Gramsci dans ses travaux sur l'étude des rapports de classe. Là, c'est la masculinité hégémonique, c'est la configuration de la pratique de genre qui va incarner la réponse acceptée à un moment donné au problème de la légitimité du patriarcat. C'est elle qui garantit ou qui est censée garantir la position dominante des hommes et la subordination des femmes. Alors concrètement, un petit exemple qui extrait de l'ouvrage de Virginie Despentes, King Kong Theory. Alors, qu'est-ce que ça exige au juste d'être un homme, un vrai ? Répression des émotions, taire sa sensibilité, avoir honte de sa délicatesse, de sa sensibilité, réussir socialement pour se payer les meilleures femmes, craindre son homosexualité car un homme, un vrai, ne doit pas être pénétré, ne pas jouer à la poupée quand on est petit, se contenter de petites voitures et d'armes en plastique super moches, ne pas trop prendre soin de son corps, être soumis à la brutalité des autres sans se plaindre, savoir se défendre même si on est doux. Donc là, vous voyez que dans cette description on voit bien que l'hégémonie ne peut concerner en réalité qu'une minorité d'hommes. Très peu sont les hommes qui arrivent effectivement à faire toutes ces choses, car les standards sont très exigeants. Et d'ailleurs, s'y tenir à un coup, on peut par exemple penser à des coups en termes de santé mentale, avoir honte de sa délicatesse, de sa sensibilité, réprimer ses émotions. C'est jamais très bon en termes de santé mentale, comme vous pouvez l'imaginer, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, cette position de l'hégémonie, donc encore une fois, on situe dans les rapports entre les formes de masculinité et les rapports de genre parmi les individus. Là, l'hégémonie, vous voyez qu'elle définit en creux d'autres modalités d'expression de la masculinité, et notamment... la subordination, donc là la masculinité subordonnée, on pense à celle des homosexuels qui culturellement sont exclus de la masculinité hégémonique en tant que figure repoussoire de l'hétérosexualité. Pour la masculinité complice, là on entend les pratiques des individus qui vont légitimer la masculinité hégémonique et en tirer bénéfice,
mais sans pour autant se conformer aux standards exigeants et parfois risqués de l'hégémonie, parce que l'hégémonie a un coût. Et enfin, la marginalisation, là on entend une masculinité qui est placée sous l'emprise ou sous la dépendance de la masculinité hégémonique, mais à la marge et sans lui faire concurrence. Donc encore une fois, il ne s'agit pas seulement du corps des hommes ou de leur comportement, il s'agit de pratiques qui font le genre dans un contexte donné, à un moment donné. Et donc la définition et le lien avec ce contexte et ces situations sociales est important. Pour revenir sur les travaux sur la prison, voici un exemple qui décrit les travaux de Sykes et Cullen, qui ont travaillé sur les prisons, les détenus hommes en détention, et qui décrivent la masculinité en prison, qui est donc un autre exemple pour voir que le contexte est essentiel pour circonscrire les pratiques qui font l'hégémonie. Donc là, Sykes et Cullen vont décrire la figure de la masculinité dans ce contexte de la détention aux États-Unis. Donc il s'agit d'un homme, somewhat aloof, seldom complaining, enduring the rigors of imprisonment with dignity, ready to fight if necessary, but not aggressive, loyal to other inmates, and willing to share whatever he may have. The real man is a respected figure accorded the deference that flows to those who match a group's ideals. Inmate masculinity has its roots in a vision of manhood and integrity that descends the that transcends the prison. Self-restraint, reserve, toughness, emotional balance, and loyalty. Donc là, on voit que si on pense aux constructions de la masculinité qu'on peut rencontrer dans le quotidien, on voit bien les différences qui vont être liées au contexte. Donc avant de... donc le contexte, je l'ai déjà dit, le contexte est important, le fait qu'il ne s'agit pas de typologies qui vont réifier des catégories l'est tout autant. Et notamment, c'est une des critiques qui a été faite au travail à l'origine sur les masculinités. D'autres travaux ont suivi. Et donc, je pense notamment à l'article de Ribeiro et ses collègues de 2007. La référence arrivera par la suite. Là, on voit, c'est un exemple d'étude sur des hommes portugais qui ont une vie sociale à l'extérieur du domicile, mais ils vont s'occuper de leur femme dépendante lorsqu'ils rentrent à la maison. Et c'est un exemple d'hommes qui passent d'une configuration à l'autre, en rentrant s'occuper de leur femme dépendante à la maison, qui vont assumer un autre rôle avec d'autres pratiques. Et donc là, c'est un exemple de masculinité qui peuvent non pas changer dans le temps, comme je disais tout à l'heure, mais changer au sein d'une même journée selon les sphères de la vie, la sphère du travail, la sphère de la famille. Alors avant de développer d'autres exemples, je voudrais juste apporter une nuance qui est importante à retenir. Avec ces travaux sur les masculinités, il ne s'agit pas d'étudier que les hommes, ni de s'opposer au féminisme ou à la dénonciation des inégalités femmes-hommes ou à la domination masculine. Il ne s'agit pas de défendre les hommes ou leurs intérêts. Il s'agit plutôt de s'inscrire dans une démarche qui vise à insérer l'étude des masculinités dans une perspective de critique et de transformation de la structure sociale, et notamment contre la structuration contemporaine des inégalités entre femmes et hommes ou entre groupes d'hommes. Et je précise parce qu'il y a tout un ensemble de travaux et de militantisme qui a découlé de cette notion de masculinité qui n'adhère pas à cette perspective. Et donc, je,
C'est une nuance qui doit être, il me semble, retenue, si ce n'est discutée tout à l'heure. Donc, je le pose comme option pour la discussion à la fin de l'intervention. Donc, je voudrais aborder trois autres exemples de travaux qui mobilisent cette notion, qui là sont en lien avec la santé. Mais il existe, comme je disais tout à l'heure, un très grand nombre de travaux qui mobilisent la notion de masculinité hégémonique, mais aussi les autres formes. Alors, dans le premier article, Will Courtenay propose un cadre pour étudier les liens entre genre et santé des hommes, et plus précisément les effets néfastes des comportements associés au masculin sur la santé des hommes. Donc, il se positionne dans un champ surtout anglo-saxon sur les men's studies et men's health, et propose d'appliquer, d'utiliser le cadre relationnel une approche relationnelle de genre, pardon, pour étudier la santé des hommes et s'écarter de l'ensemble des travaux sur les rôles sexués et sur les différences sexuées, notamment les prévalences en épidémiologie sociale, par exemple. Donc, un des exemples les plus parlants qu'il propose avec cette proposition d'appliquer la théorie relationnelle du genre à la santé, c'est celui de la crème solaire et de la prévalence plus élevée du cancer de la peau chez les hommes. Donc, je resitue bien, vous voyez, c'est paru en 2000. L'article est tiré de données des années 90. Hein. Donc, dans les années 90, la crème solaire était associée à une pratique féminine, un truc de fille. Les hommes, les vrais, ne s'en mettent pas. Et Will Courtenay explique ainsi des résultats sur de prévalence plus élevée de cancer de la peau chez les hommes. Alors, ça, c'était un premier exemple de travaux sur les masculinités en santé. On se situe plutôt dans une critique des travaux donc sur les prévalences sexuées. Là, on passe avec l'article d'Amanda Lockswa, on passe à des travaux beaucoup plus ethnographiques. Avec une étude parue dans Science. Donc juste une remarque avant de commencer sur cet article. C'est un très bon exemple d'une analyse qui est réellement intersectionnelle. Les bonnes études qui arrivent vraiment à analyser et les rapports de genre et d'âge et de racialisation sont rares, et celle-ci vaut le détour si vous cherchez des exemples. C'est un article qui est issu d'une recherche très longue de 13 ans, auprès de militants sud-africains et de militantes sud-africaines queer des townships de Soweto surtout. Donc là, l'objet d'étude, c'est la liminalité de genre. Et Amanda Soa examine très finement les enjeux de genre dans les expériences lesbiennes des townships, en les situant précisément dans leur contexte socio-historique et politique de quartiers relégués d'une Afrique du Sud post-apartheid. L'objet plus précis de cet article, c'est le phénomène des viols des lesbiennes butch, dits correctifs et punitifs. Donc on y revient dans un instant. Ce que prend cet article très au sérieux, c'est la mobilisation de la notion de masculinité comme une configuration de pratique située. Il accorde une place importante au contexte de production de cette situation sociale très particulière qu'est le viol des femmes lesbiennes butch dans les townships. Et c'est à partir de ce point de départ-là que l'article se prononce sur les masculinités en jeu chez les hommes agresseurs, mais aussi chez les victimes qui sont... l'article se situe toujours du point de vue de l'expérience des victimes. Soit arrive à un résultat très intéressant et original sur les ressorts de ces viols en mobilisant la notion de masculinité. Et donc, elle marque notamment la différence entre les fonctions dites correctives et punitives du viol. Et elle explique, je cite, « Les lesbiennes butch qui remettent en cause l'accès des hommes à certaines femmes
celles avec qui les butch entretiennent des relations homosexuelles, mais qui entretiennent par ailleurs souvent des relations hétérosexuelles avec des hommes aussi, et leurs revendications de la masculinité sont punies pour avoir transgressé le système de genre dichotomique et l'hétérosexualité obligatoire. Donc c'est ainsi que elle décrit le viol punitif. Alors pour le viol dit correctif, elle propose qu'il s'agit là plutôt de rétablir l'ordre de la domination des hommes dans l'ordre hétérosexuel et aussi de transformer le corps lesbien, donc un corps de femme, en pouvoir accordé au rapport sexuel avec un homme en soi. Alors elle précise bien que les deux fonctions peuvent être revendiquées ou déplorées d'un même viol, mais on voit bien là un déplacement de l'explication essentialiste d'un désir incontrôlé chez les hommes, par exemple. Et c'est ce que permet le cadre théorique associé aux masculinités. Alors, en ce qui concerne la santé au sens plus restreint de la prise en charge médicale d'une fonction, d'une dysfonction somatique, Soir prolonge l'analyse des masculinités des Butch et elle propose que les configurations de pratiques genrées qu'elles mobilisent face à ces situations sont mauvaises pour leur santé. Par exemple, alors que le viol met en danger leur revendication à une masculinité, l'admission du viol prend la forme d'une admission de faiblesse éminemment non masculine qui contrevient à cette configuration. Est-ce que ça va pour cet exemple ? Oui, oui. Ok. Alors, je vais passer au troisième et dernier exemple. Là, il s'agit d'une étude de Anne Cleary qui se déroule en Irlande, donc on change de pays. Et on s'intéresse aux hommes irlandais interrogés juste après une tentative de suicide sur ce qui les a conduits à passer à l'acte. Donc là, Anne Cleary mène des entretiens ouverts avec une cinquantaine de jeunes hommes qui ont été pris en charge pour tentative de suicide dans un hôpital de Dublin. Donc, dans son article, elle fait usage de la notion de masculinité en passant par le travail de Courtenay que j'évoquais tout à l'heure. Et elle propose que les schémas de comportement de santé qui correspondent, encore une fois, à des configurations de pratiques genrées de type masculinité hégémonique vont être liés à la prévalence du suicide chez les jeunes hommes irlandais. Donc elle va mettre en lien la masculinité hégémonique et cette prévalence de suicide chez les jeunes hommes. Et donc elle donne un exemple dans lequel admettre un stress ou une détresse psychologique est associé au féminin pour ces jeunes hommes. Et donc ils tirent d'autant moins la sonnette d'alarme lorsqu'ils sont mal. Mais elle va un petit peu plus loin. Parce que cet argument n'est pas très nouveau. Par contre, ce qu'elle contribue et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que ces jeunes hommes ne savent pas reconnaître les signes de détresse psychologique lorsqu'ils les vivent, parce que leurs savoirs émotionnels sont moins bien développés du fait de leur éducation et du fait de leur comportement associé au masculin. Et faire attention à soi et à ses émotions, c'est quelque chose qui est associé au féminin. Donc l'intérêt de cet article, donc, qui est beaucoup moins long que celui de Swarf, c'est montrer que l'usage de la notion de masculinité permet de voir très concrètement quel rapport de pouvoir influe sur les comportements de santé et comment. Un facteur explicatif majeur dans cet article, c'est la socialisation à la masculinité hégémonique par les pères et par les frères, qui apparaît dans les récits et qui montre comment des comportements genrés sont transmis, appris et incarnés et les risques qu'ils font encourir pour la santé. Donc l'article montre aussi que les comportements de santé dominants, non masculins, promeuvent le risque suicidaire par le mécanisme suivant, donc je résume et je synthétise, hein, moins de prévention, moins de connaissance des symptômes, moins de recours aux soins, plus de consommation d'alcool, qui est plus acceptable de dire qu'on consulte un psy.
Là, l'usage des masculinités permet à Anne Cleary de montrer comment la classe sociale et le genre jouent dans le comportement de santé pour réduire d'autant plus le recours aux soins qui est déjà difficile d'accès, plus cher, etc. Il permet aussi de montrer que la conception binaire des émotions masculines versus féminines est de plus en plus intenable et que tous, d'une manière ou d'une autre, négocient et nuancent les pratiques de genre. Dans cette perspective, l'expression des sentiments est elle aussi située, elle circule, elle est plus ou moins fluide selon les catégories et les situations sociales. Et l'auteur conclut en disant que dans certains contextes, contenir ses émotions peut être mortel. Je vous ai ajouté des références d'ouvrages qui mobilisent les masculinités. Certains en lien avec la santé, mais pas tous. Et puis les références indiquées dans les diapositives précédentes. Est-ce qu'il y a des questions ? Tout d'abord, merci beaucoup. On va donc faire comme on avait prévu. Donc, alors c'est Sclarène qui va enchaîner parce que Lysiane vient de s'absenter. Ah, c'est Lysiane qui devait commencer. Ah. Mais c'est pas grave, elle va prendre le train en route. Peut-être que si je parle un peu plus longtemps, ça lui laissera le temps de revenir. Ah, ou alors on attend quelques secondes. Ah non, ça me ferait plaisir de commencer. Ah, Ah, voilà. Arrive, bon, alors, comme c'était Lysiane Locati qui devait prendre la parole en premier, donc je laisse la parole à Lysiane. Parce que Mayonne vient de finir à l'instant. D'accord, donc désolé. Merci beaucoup pour votre présentation, pour votre participation. Je ne vais pas vous poser la question qu'on pose habituellement aux femmes qui travaillent sur les masculinités, qui est qu'est-ce que les études des masculinités apportent au féminisme. Je pense que personnellement. Excusez-moi juste. Je vous interromps, mais est-ce que vous pouvez juste lever la main pour que je vois qui parle ? Oui. Ah, d'accord, merci. Oui, on est vraiment désolé pour le cadre très large. Hein. C'est parce que on essaye d'avoir le cadre le plus large possible parce qu'on n'a pas de, on a personne qui, les caméras sont fixes, hein, voilà, et donc on peut pas faire une mise en scène en fait. Non, mais c'est très bien et puis. Très impressionnée. On est très en retard en France sur le système technique. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai dû faire cette conférence de chez moi parce que l'université ne propose pas le cadre qu'elle vous propose à l'UQAM. Donc, on a des standards. Voilà. Je reprends. Donc, je ne vais pas vous poser la traditionnelle question qu'on pose à beaucoup de femmes qui travaillent sur les masculinités, qui est qu'est-ce que les études de masculinité apportent au féminisme. Personnellement, je pense que penser et comprendre la norme universelle d'un certain type de masculinité, c'est une nécessité, mais peut-être j'aimerais vous interroger sur votre interprétation à vous de ce que moi j'interprète comme des rencontres ratées, ou en tout cas inachevées, si on peut être optimiste. À ce niveau-là, entre justement études de masculinité et mouvement féministe, ou en tout cas une certaine partie du mouvement féministe. Donc j'opère une petite mise en contexte qui me permet d'interpréter ça de mon point de vue situé comme étant des rencontres ratées. À partir du milieu des années 80, donc l'axe de la discussion féministe s'est déplacé vers les différences entre les femmes et les hommes, alors que jusque-là, le débat avait privilégié l'opposition entre la femme et l'homme, en laissant de côté l'analyse entre femmes et hommes en fonction de leur classe sociale, de leur appartenance ethnique et raciale, de leur âge et de leur orientation sexuelle. Alors que la stratégie féministe blanche était une stratégie séparatiste, hein, homme-femme, homme versus femme, donc celle des féministes racisées a pris un autre chemin. Le luxe du séparatisme blanc y est récusé au bénéfice de la solidarité avec les hommes racisés, puisque comme les femmes, ils sont victimes de la discrimination raciale. Il apparaissait dès lors nécessaire de constituer un espace d'alliance et de lutte commune qui incluait les hommes racisés pour combattre non seulement la domination de genre et de classe, mais aussi le racisme et l'hétérosexisme. Donc il fut proposé de développer une analyse et une pratique qui était basée sur le principe selon lequel l'imbrication des systèmes d'oppression, à la fois raciale, sexuelle, hétérosexuelle et de classe, rendait leur distinction difficile dans l'expérience concrète des femmes racisées.
Ça, c'est la première rencontre ratée, selon moi. La deuxième rencontre ratée, à partir des années 90, donc les jeunes générations de la dite troisième vague du féminisme commencèrent à privilégier les études non pas de la, mais des sexualités, au pluriel, j'insiste, en critiquant le caractère binaire des sexes institué par le genre et l'idéologie du genre, supposée fonder l'appartenance à une commune humanité. En démontrant que le caractère binaire du genre était le produit de l'hétérosexualité institutionnalisée, le mouvement trans, qui englobe à la fois les transsexuels, les transgenres, les travestis, les féministes, les féminités pardon, masculines et les masculinités féminines, etc., a pris une grande importance. Donc, comme l'indique Boursier et Molinier notamment, les études trans et transmasculinité ont apporté un élan au projet théorique de l'intersectionnalité en mettant en crise le système sexe, classe, race. Comment expliquez-vous, donc, quelle est votre lecture de ce que moi j'ai appelé des rencontres ratées ou inachevées, en tout cas entre mouvement féministe ou une certaine partie du mouvement féministe et études des masculinités, étant donné qu'en fait on voit dès les années 70 et même avant, un certain nombre d'approches intersectionnelles qui sont particulièrement intéressantes et nécessaires pour penser éventuellement une lutte féministe qui soit justement qui permette de ne plus considérer qu'il s'agit en fait d'oppressions qui sont cumulées, mais réellement intersectionnelles. Peut-être je vais reposer ma question. Donc, comment expliquez-vous qu'en dépit des apports à la fois théoriques et politiques considérables des premières concernées et de la popularité actuelle des approches intersectionnelles, un certain féminisme institutionnel, qui est, il faut bien l'avouer, majoritairement blanc, cisgenre, hétérosexuel, continue de penser l'intersectionnalité comme un cumul et non comme une imbrication d'oppression, ce qui permet de consacrer la priorité d'une oppression, le sexisme, sur l'autre ou les autres. Alors même que puisqu'elles s'imbriquent et se renforcent mutuellement, lutter contre une seule d'entre elles, en négligeant, voire en renforçant activement les autres, sont vouées à l'échec, le système d'oppression devant être, selon moi, attaqué dans son ensemble pour que chacune des oppressions qu'il génère disparaisse véritablement. Est-ce que vous préférez qu'on pose les deux questions à la suite ? Oui, ok. Ok. J'ai essayé de faire une mise en contexte un peu moins étendue que celle de Lysia. Moi, je voudrais peut-être ramener la discussion, éventuellement, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, sur la question de la violence. Considérant que l'actualité des dernières années a laissé entrevoir une certaine résurgence d'un type particulier de pensée de la masculinité, ou plutôt de pensée masculiniste, qui, je pense, peut faire état de ces différences entre hommes au sein du groupe des hommes, comme vous en parliez. À travers cette mouvance, justement, les corps sont également essentialisés, fantasmés, mis au centre de la sexualité, ou justement de l'absence de celle-ci, dans le cas des célibataires involontaires, les incels. Le discours de cette manosphère, en fait, qui se construit surtout sur les internets, ont dans une grande partie des cas une connotation qui est également raciste, au sens où, par exemple, l'auteur de la tuerie de 2014 à Isla Vista rejetait la raison de son célibat involontaire sur le fait qu'il soit euro-asiatique et s'en prenait aux hommes racisés qui étaient, entre gros guillemets, capables d'être en relation avec l'image fantasmée qu'il se faisait de la femme blanche, blonde et probablement à forte poitrine. J'aimerais d'abord en fait vous entendre peut-être davantage sur cette victimisation qui se produit dans le discours des incels, qui sont persuadés que les femmes ne sont attirées que par un type de masculinité, cette masculinité hégémonique justement. Et plus encore, si l'on suit les analyses de Michael Kimmon dans le cas des violences faites aux femmes, il souligne dans une étude qu'il a menée en 2008, il souligne que les hommes ne frappent pas les femmes quand ils se sentent puissants, mais quand ils se sentent impuissants, ou alors qu'ils ne jouissent pas des prérogatives qu'ils considèrent leur être dues. Est-ce qu'on assisterait donc à un espèce de passage d'une masculinité dite traditionnelle, hein, à une masculinité qui serait réactionnaire, pour reprendre l'expression d'Éric Fassin et de Clarisse Fabre? Je peux répéter si vous voulez. En fait, ça a coupé à partir de ce que vous disiez sur la victimisation des incels. Après, le son n'était pas bon. Je suis désolée. Ah, d'accord. Mais en fait, c'était une espèce de deuxième partie à ma question qui partait des études de Michael Kimmel qui parle en fait, qui dit finalement
que dans le cas des violences faites aux femmes, les hommes ne frappent pas les femmes quand ils se sentent puissants, mais quand justement ils se sentent impuissants ou qu'ils ne jouissent pas des prérogatives qu'ils considèrent leur être dues, en fait. Et moi, cette idée-là, ça m'amenait à vous demander si on assiste finalement à un passage d'une masculinité qu'on dit traditionnelle, entre guillemets, à une masculinité qui serait réactionnaire, pour reprendre finalement l'expression mobilisée par Éric Fassin et Clarisse Favre. Et quand vous dites ce passage d'une masculinité traditionnelle à réactionnaire, traditionnelle, vous entendiez quoi ? On entend en fait un peu la masculinité hégémonique dont vous parlez, hein, qui est l'homme qui est fort, qui se bat, qui n'exprime pas ses sentiments, à justement une masculinité plus réactionnaire qui vient dire que je suis masculiniste, entre guillemets, je me bats contre les femmes, pour le cas précis ici, parce qu'elles me font du tort, parce que le système ne me donne pas la place que je devrais avoir. Est-ce que ça fait du sens ? D'accord, donc dans votre idée, on aurait un passage d'une masculinité de pratique de genre qui vise à conforter un système de domination des hommes, de subordination des femmes, à un système où il s'agirait de se venger ou de dénoncer une injustice et de retourner cette situation de domination en victimisation, c'est ça ? Exactement. D'accord, ok. D'abord, merci pour vos deux ensembles de questions. Je vais peut-être commencer par la dernière, puisqu'on a commencé à échanger. Il me semble qu'il y a plusieurs, plusieurs niveaux dans votre question. Et d'ailleurs, dans l'article que je présentais tout à l'heure d'Amanda Soy, il y a aussi cette idée que la violence des hommes sur les femmes est rarement uniquement une question de domination et de subordination par la violence. Dans les townships, elle l'analyse comme une stratégie de maintien de l'ordre de genre. J'ai un message d'erreur, vous m'entendez toujours ? Oui. Un peu moins bien qu'auparavant. Non. Okay. Bon, j'ai rien changé, j'espère que ça va aller. J'ai oublié ce que je disais. Oui, Kim, donc vous parliez d'un passage de pratique qui vise à conforter une position de domination à pratique qui vise à revendiquer les droits issus de cette domination. Je suis pas sûre que, et encore une fois, les contextes sont vraiment importants, mais par exemple, dans le cas de l'étude sur les townships, ces deux enjeux sont liés dans les violences des hommes sur les femmes. Il s'agit à la fois, donc quand je parlais de viol correctif et de viol punitif, il s'agit à la fois de remettre de l'ordre dans l'ordre de genre, de réaffirmer une position de domination, mais aussi de punir les éléments déviants qui viennent y résister, mais aussi de revendiquer, revendiquer ces droits, et notamment le droit à des partenaires féminines hétérosexuelles qui n'ont pas de rapport avec des femmes à côté. J'entends bien ce que vous dites et c'est effectivement une analyse qu'on a pu avoir de ce mouvement assez récent, hein, des incels, mais je crois qu'il y a vraiment une imbrication des stratégies et je pense qu'on s'en sort en faisant des ethnographies, par exemple, fines et situées. Et à un moment là, c'est un point méthodologique, mais il me semble que dans le cas des communautés que l'on observe entre guillemets par Internet et par les réseaux sociaux, cette difficulté de la contextualisation, elle est d'autant plus à prendre au sérieux, il me semble, pour pouvoir vraiment faire ressortir la position
des différentes configurations de pratiques les unes par rapport aux autres. Mais le point que vous soulevez, et Lysiane aussi, fait aussi un lien, il me semble, avec une des grandes critiques qui a été faite à cette notion des masculinités, mais surtout à son usage en réalité après la proposition de Connell et ses collègues. Et c'est la critique de la réification, où un grand nombre de travaux ont cherché à catégoriser, à décrire non pas des configurations de pratiques qui... concrètement, c'est quand même très difficile à identifier une configuration de pratique dans un espace. Mais on a eu beaucoup de travaux de catégorisation. On a eu des travaux, des articles, des réactions, des commentaires à des articles scientifiques qui visaient à identifier qui incarne la masculinité hégémonique, par exemple. Mais je m'avance peut-être parce qu'il me semble que Stéphanie Boisvert va peut-être en parler tout à l'heure. C'était une des références... dans la liste qu'elle a envoyée avant le séminaire, mais c'est un article de Connell et Messerschmitt qui est paru en 2005 et qui s'appelle Hegemonic Masculinity, Rethinking the Concept, qui est paru dans Gender and Society. Et dans cet article, ils reviennent sur tout un ensemble de critiques et ils répondent pour certains, d'autres non. Cette critique de la réification, elle est tout à fait justifiée. Et je pense qu'on peut s'en sortir concrètement quand on fait des études en s'attachant au contexte, mais surtout en s'attachant à revenir à la proposition initiale qui est en fait assez floue et assez difficile à mettre en œuvre si on lit vraiment Connell et Messerschmitt. Connell notamment, elle ne parle pas de pratique ou de personne ou de corps qui va incarner un ensemble de pratiques, mais elle va parler de configuration de pratiques situées et en insistant sur le fait que l'intérêt n'est pas forcément d'identifier des hommes, mais d'étudier les rapports entre des configurations de pratiques, d'étudier les rapports entre l'hégémonie et la subordination, l'hégémonie, la marginalisation, et peut-être que c'est par là qu'on peut se sortir de certains des écueils qui évidemment donnent, enfin évidemment non, qui malheureusement plutôt donnent lieu à des interprétations aussi masculinistes de ces travaux. Et c'est une précaution d'ailleurs qu'on a dû prendre nous ici en France quand on a décidé de travailler sur cette traduction de ces travaux. Parce qu'il a fallu présenter le travail de Connell et les enjeux pour la santé, tout en le présentant de manière honnête et rigoureuse, tout en étant conscient et consciente que... Ces résultats scientifiques pouvaient être utilisés par la mouvance masculiniste qui est bien moins importante en France qu'au Québec. On n'a pas, par exemple, le mouvement est resté assez militant et moins largement, par exemple, pour hommes comme... Normalement, ça se rétablit, ou alors si on peut rappeler. Ah, voilà. Bon, je suis bien. Non. Je vais voir si... Il est super, si ça... Il paraît que normalement, cette situation n'arrive jamais. Avec Zoom. C'est de la magie directe, non ? Vous m'avez perdu où? Les mouvements masculinistes au Québec.
Contrairement en France. Donc, il y a à peu près 2 minutes. Qui sont moins présents qu'en France. Voilà. Oui. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre réponse qui va encore plus loin que ce que j'espérais. Si je peux le dire comme ça. Pour votre question, Lysiane, je vous sens embêtée par les rencontres ratées et je le suis aussi, évidemment. Et c'est difficile de ne pas être déçue de ces rencontres ratées, déçue de ces dynamiques humaines de militantes et de militants. Et en même temps... J'ai peur que ce soit aussi un signe de la force du patriarcat, même dans les cercles qui cherchent à lutter. Et quand on parlait, tout à l'heure, vous parliez des féministes blanches versus les féministes non blancs et non blanches. Cet espace d'alliance, on le cherche encore, il me semble, aujourd'hui, de manière plus large que sur uniquement les enjeux sexistes et racistes, mais avec Je vous entends plus, ça recoupe là, non? Ouais. Ouais. En fait, le mieux, ce serait que vous coupiez et puis que vous renvoyez vous remettez le lien dans votre navigateur. De recommencer l'opération à zéro pour voir si ça me fait. Oui, c'est ce que j'ai fait là quand ça a coupé. Ah bon? Ouais. Ça a l'air d'être un peu meilleur là hein, que lorsque j'ai quitté la salle. Je peux me sacrifier. Non, mais là, ça m'a l'air mieux, non, je me trompe. Oui. Merci beaucoup pour votre réponse. Bah, désolée, je ne sais pas ce que vous en avez entendu ou ce que j'ai pas. Bon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à... Ce que j'en tire, c'est qu'on partage le même constat. L'espace de lutte est toujours à construire. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, bah, dans ce cas-là, on va donner la parole aux personnes qui sont présentes de la salle. Le micro est au milieu, donc il suffit de parler distinctement. Bah, j'irai peut-être avec une première question. Vous ne me voyez pas, mais je bouge la main ici. Si, je vous vois. Bonjour. En fait, j'aimerais revenir sur les quatre rapports entre masculinité parce que dès le départ, ça m'a surpris un peu de voir que, bon, hégémonique, soumission, marginalisation ou alors complicité. Puis je me suis dit, ben, il doit y avoir une cinquième porte de sortie, peut-être une subversion, tout ça. Puis je revenais toujours, en fait, dans la case de la complicité d'une certaine manière. Donc j'aimerais ça peut-être que vous élaboriez là-dessus pour voir quelles sont les autres voies ou s'il y en a ou si elles sont toujours reprises un peu dans une de ces quatre options-là ou si la subversivité, la subversion est possible à l'intérieur même de l'hégémonie, ce dont je doute aussi, je ne sais pas. Donc c'est juste pour... Est-ce que je pourrais compléter la question? On a vu émerger dans l'espace public le terme de masculiste versus masculiniste. Donc les masculistes notamment, dont parle Olivia Gazalé, une philosophe, je ne sais pas si vous la connaissez. Et donc ces masculistes qui sont contre-hégémoniques et qui visent donc à lutter contre les oppressions que les hommes font aux hommes et aux femmes également. Je ne sais pas si ça entre. Et la différence entre masculiste et homme féministe, c'est quoi? Je sais pas. D'accord. Non, j'ai pas entendu. Oui, je connaissais pas ce terme de masculiste. Mais je regarderai. Et Olivia Gattalé aussi. Merci. Alors, pour revenir à la question sur la subversion dans.
dans l'ordre de genre, c'est effectivement une des propositions, une des critiques d'abord et ensuite une des propositions qui a été faite à partir, donc après ces travaux initiaux sur, de Connell, où en fait la complicité, elle est sans doute plus claire avec un exemple. Il est plus difficile de. On peut, c'est pas évident de concevoir une subversion dans la complicité, dans la mesure où, dans ce rapport de complicité, il est question de bénéficier des dividendes du patriarcat, mais sans pour autant être occupé la place en amont, en avant de l'hégémonie qui est en réalité coûteuse. Maintenir, elle est à la fois coûteuse. Quand on parvient à la maintenir et quand on parvient à l'incarner, quand on parvient à la pratiquer, mais les standards et les normes sont tellement exigeants qu'en réalité peu d'hommes la pratiquent réellement. Et donc dans la configuration de la complicité, on voit par exemple la négociation au sein du ménage avec ménage hétérosexuel avec un homme qui s'arrange pour que la femme assume sa part des tâches domestiques par non pas la violence ou l'imposition ou la domination, mais plutôt la négociation. Donc là, on est la négociation, c'est pas un rapport qui va rentrer dans l'hégémonie, mais les dividendes de ne pas avoir à faire la vaisselle sont les mêmes à la fois. Mais votre question sur la subversion et est-ce qu'elle a une place dans cet espace des pratiques, elle revient aussi à la critique non pas de réification mais de d'homogénéité de ces catégories qui ne devraient pas en être. En réalité, ces configurations de pratiques qui ont des libellés, qui ont 4 libellés qui peuvent être listés, tout l'intérêt des études de genre, des études féministes, c'est de les étayer, de les décrire, d'en décrire les enjeux en situation et pour voir que selon les contextes, non seulement elles changent, donc selon les contextes sociaux mais aussi historiques, mais aussi pour voir que à l'intérieur même de ces groupes d'hommes que l'on va chercher à décrire, il y a évidemment des pratiques et des enjeux qui vont être hétérogènes. Donc là, il y a des travaux notamment sur les petits garçons en école primaire qui montrent à la fois la force de l'imposition du modèle de genre dominant et les pratiques entre guillemets réelles de des jeunes garçons qui sont très très rarement qui s'accordent très très rarement à cette norme en réalité. Merci. Maintenant, on ne va pas faire le coup de la majorité silencieuse. Oui, bonjour. Donc, ouais, je suis ici. Bonjour. D'abord, merci pour cet exposé, hein, très, très clair et très intelligible, et puis qui apporte beaucoup de matériel. En fait, moi, je voudrais revenir sur la catégorisation que tu proposais au départ entre les différentes perspectives théoriques pour donner une compréhension justement au rapport de genre. Et puis, j'aimerais notamment revenir sur la dernière, donc que tu appelles finalement le genre comme configuration de pratiques situées. En fait, je ne suis pas bien sûr de comprendre de quoi il s'agit précisément. Et si je pose cette question, c'est parce qu'il y a une... J'ai une sous-question, c'est je me demande dans quelle mesure ce type d'approche théorique n'évacue pas la question des conditions sociales de la reproduction des rapports de genre. Si on s'attache à comprendre vraiment comment finalement les rapports de genre sont performés dans des configurations déterminées, dans des contextes donnés. Comment on fait pour penser, alors j'imagine que c'est une question très, très classique, enfin,
qui doit être assez répandu. Comment on fait pour penser encore ces conditions sociales de reproduction? Et puis d'ailleurs, autre point, ce qui me paraît important en fait là-dedans, c'est que ne pas s'interroger sur les conditions sociales en fait de la reproduction des rapports de genre, c'est aussi s'interdire de penser en fait les médiations en fait par lesquelles finalement ces rapports de genre s'effectuent, enfin trouvent une réalité effective. Donc je voulais savoir un peu comment, voilà, quelques précisions sur cette quatrième. Est-ce que vous pouvez juste préciser la toute dernière partie de votre question, celle sur les conditions sociales de la reproduction, j'ai bien entendu, mais votre sous-question, celle qui est arrivée juste après. Juste après. Ben en fait, l'idée, ce serait, je me demande en fait comment, sur la base de cette théorie dont je ne comprends pas bien les contours, comment on peut penser justement les médiations sociales grâce par lesquelles finalement ces rapports de genre sont performés et puis trouvent une réalité effective, quoi. Voilà, j'ai presque l'impression, mais sans doute c'est une mécompréhension de ma part, mais quand j'entends pratique située, j'ai presque l'impression d'entendre du Goffman avec l'idée de situation sociale dans lesquelles finalement il y a des rapports sociaux en fait, qui se performent, etc. Donc je voulais savoir si ce type de théorie autorisait encore une mise au jour finalement des conditions sociales de la reproduction des rapports de genre, ou si c'était plutôt des approches assez antithétiques ou opposées, ou comment ça s'agence tout ça. Je ne sais pas si c'est très clair, je peux essayer de reformuler. Si, j'entends la question, c'est juste l'expression de médiation sociale que... Vous entendez quoi par médiation sociale? Les cadeaux de la transmission, de l'apprentissage? Les institutions sociales, voilà, essentiellement. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, avant de répondre, effectivement, la proposition de Connell d'étudier des configurations de pratiques de genre qui font le genre situé, c'est un peu flou, mais pour en avoir discuté avec elle lors de notre entretien avec Arthur Voitou, c'est un peu à dessein. Ce qu'elle propose, c'est de remédier aux écueils des approches qui étaient dominantes à cette époque-là, notamment celle des rôles de sexe, en arrivant à, d'un même regard, appréhender à la fois les pratiques, donc ce que font les gens, c'est-à-dire le genre que l'on fait, en situation, donc en pratique située, ces pratiques inscrite dans une situation sociale au sens sociologique. Situation sociale, c'est-à-dire les rapports sociaux de domination plurielle qui sont à l'œuvre dans la pratique à un moment donné, mais aussi les héritages des enjeux historiques, du contexte historique. Donc, on pense notamment à une situation qu'on pourrait étudier en Europe, en France, par exemple, en Afrique du Sud, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ou alors au Canada, l'histoire va jouer sur cette situation sociale. Donc dans situation sociale, moi en tout cas, j'entends cette globalité difficilement, qu'on appréhende très difficilement dans la pratique de recherche pour la décrire finement, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ce que propose Connell, c'est donc, non pas une typologie, non pas de classifier des hommes dans des catégories homogènes, mais plutôt d'étudier ce que font les hommes et les rapports de ces formes de pratiques de genre par rapport aux autres. Et donc, c'est les rapports entre les formes de masculinité qui sont... Je m'entends parler, je sais que c'est très abstrait, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez difficile de trouver des travaux qui parviennent effectivement à cette proposition-là. Et je dis proposition à dessein, il me semble qu'on peut pas vraiment parler de théorie, mais en tout cas, on peut parler d'une approche d'études de genre, d'études féministes. Mais donc, dans ce cadre-là, la reproduction, et notamment l'apprentissage de ces pratiques, fait pleinement partie de l'objet d'étude. Si on repense à l'exemple de tout à l'heure sur le jeune homme Adam
pour qui la masculinité a été apprise par le geste de lancer une balle avec son père dans le jardin et par l'humiliation reçue quand son père lui reprochait de lancer comme une fille, là on a à la fois une pratique située dans un contexte que j'ai balayé, mais il s'agissait d'un jeune homme en zone rurale en Australie dans les années 80, enfin voilà, donc une, de classe ouvrière. Là on a tous ces éléments qui entrent en compte, et là la reproduction on la voit. Après, ce qui est des institutions, j'ai pas eu le temps d'insister dessus, mais l'hégémonie elle s'appuie et elle dépend d'une relation forte entre le culturel et les institutions. Il y a beaucoup de travaux qui ont suivi ceux de Connell et de Connell aussi sur l'armée, sur les administrations et les grandes entreprises, où là effectivement le pouvoir de l'institution et la culture de l'institution est un enjeu et un contexte important dans la performance des corps et des pratiques de genre. Il y aurait la possibilité d'avoir une dernière question, et puis après on fera la pause. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question à poser? Non? Bon, ben, je crois qu'on va vous remercier beaucoup, encore une fois. Hein. On fait 5 minutes de pause. On se retrouve après avec Stéphanie Boisvert. Et si jamais, je suis désolée, je peux pas. J'ai ma petite fille qui va revenir de la crèche et ça va pas être, ça va pas être très calme dans la maison. Par contre, si certaines et certains d'entre vous ont du mal à trouver les références, n'hésitez pas à me demander, je peux vous les envoyer, y compris l'ouvrage de la traduction partielle de masculinité avec les articles sur la santé et l'interview avec Connell. N'hésitez pas à me demander le PDF. Merci encore. Merci. Bonne fin de séminaire. Merci.